Aujourd'hui, le problème de Calais, c'est que on voit des migrants partout. C'est vrai qu'à l'époque, en 2014, il existait à Calais beaucoup de squats. Ils ont décidé du jour au lendemain de mettre les migrants au camp d'une ferry sans anticiper. La mairie de Calais a abattu un hôpital qui existait depuis des années et qui a été abattu parce que la ville a construit un nouveau, alors qu'il aurait pu être conservé justement pour rendre service à ces réfugiés. Et à l'intérieur, nous aurions pu donc gérer la présence des migrants en Calais. Il aurait fallu, à l'intérieur de ces centres, faire des propositions à ces réfugiés qui auraient permis justement de connaître les possibilités d'aller dans ces pays, soit pour trouver du travail, soit pour trouver un logement. Donc le fait de créer un centre européen de demandeurs d'asile, ça permet de travailler humainement sur le dossier de l'immigration et de proposer justement des solutions à ces personnes.